J'ai beau chercher. J'ai bien effacé de mon portable la dernière image que j'ai prise de mon père. Vivant. C'était seulement quelques minutes avant qu'il ne disparaisse. Juste après, quand j'ai compris que cette fois-ci il ne reviendrait pas, j'ai enfilé la carapace du scarabée. Depuis, je me sens étranger au monde. Je regarde l'agitation. Tout me semble vain, inutile. Comme si quelque chose s'était brisé. Je me souviens. C'était une nuit d'hiver 2003. J'ai perdu la trace de mon père. Il a disparu comme par enchantement. Comme ça, sur la pointe des pieds. Il a profité que je dorme pour partir. Pourtant, je lui tenais la main. Noël avait un drôle de goût cette fois-là. C'est peut-être pour ça que je suis aimanté par ce lieu. Pour ça que depuis tout ce temps, je ressens le besoin de revenir. Là où tout s'est figé. Là où ma vie a commencé à tourner en rond. Là où j'ai perdu sa trace, il y a 5 ans. Là où j'ai lâché sa main, lorsqu'il s'est arrêté de respirer, après 2 années de maladie et 61 de vie. C'était le 27 novembre 2003, à 5h10 du matin, dans cette chambre. Retrouver sa trace, tendre la main pour qu'il me la prenne, et comprendre ce qu'il m'a appris. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens. Il a besoin d'être décapé. Mais ben, la langue aussi, je vais dire. Et en fait, on a discuté un peu plus tôt, dans sa affaire, on a vu que c'était un grand voyageur, il a énormément de photos. Ah voilà, c'est un photographe. Il a fait plus de 79 pays, je crois. Donc voilà, mais tu vois, par moments, il dit des choses, c'est pas cohérent.
Ouais, alors moi, il m'a demandé quelle était l'agence de tourisme qui organisait les petits séjours touristiques là, à l'hôpital. À Charles Garnier. Alors je lui ai dit, attendez là, c'est vous parlez de moi là. Et bien il me dit, quelle est l'agence de tourisme qui organise le séjour touristique ici? C'est moi. Votre registre de chansons? Bert Silva. Comment? Bert Silva. Je connais pas. Bert Silva, c'est alors c'est un nom, Marseille. Et ça date de quelle année ça? Je pense qu'on va faire pleurer ça. Pardon? Mais écoutez, ça religieusement. Je ne savais pas quoi lui acheter pour la fête des mères, je l'ai acheté un Bert Silva. Un Bert Silva? Bon, si l'on pouvait avec les rires qui marquent ton cadran les heures de vie, nos petits enfants si mignons, si gentils, on n'y avait pas pour déserter leur vie. Ça, c'est un bon travail du diaphane, hein, les ténors et compagnie, c'est là que ça travaille. Riches ou pauvres, quoi qu'on fasse sur la terre, notre existence est une chose éphémère, et des pendules, le tic-tac incessant, semble nous dire, tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit, si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie. Par contre, quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, vous chantez pas mal. Je suis pas sûr. Vous frissonnez pas? Non, pas encore. Mais si je frissonne, mais... Ben, si vous frissonnez, vous nous appelez. Là, ça va. C'est bien. Ben alors, à tout à l'heure. Oui, à 16h. 16h, d'accord. Bon courage. Bon courage. Vous de même, c'est vous qui travaillez pour moi. Oh, putain. Bien le réclame à la télé. Ils sont encourageants. Un cancer sur deux guérissable. Alors, je crois que foutrait la godasse dans le poste. Un cancer sur deux, je crois que c'est le ministère de la Santé qui fait ce truc-là. Bon, parce que j'ai vu hier ou avant-hier, ça devait exister depuis récemment. Hein? Oh, putain. Eh bien, je suis peut-être celui. Je suis peut-être le deuxième. Parfois, mon père me faisait un clin d'œil, et pour me rassurer, il me disait dans un sourire : la fragilité du cristal n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une qualité. La fragilité, c'est ça qui en fait toute la beauté. Monsieur Permet ? Bonjour. Comment allez-vous ? Comment ? Sans plus. Sans plus ? Bon.
On va faire la toilette. 1, 2 et 3. Voilà, on se soulève. Mais comme ça devait être dur pour mon père parfois, voilà, de se rendre compte qu'il n'était plus ce qu'il avait été, et qu'il devenait ce qu'il n'avait pas envie d'être. Je vous laisse rejoindre les filles. Pose un peu les rideaux. Je vous laisse grand ouvert. Je ferme. Ce qui vous agace, c'est qu'on s'occupe de vous. On s'occupe beaucoup trop de moi. Vous étiez quelqu'un, vous n'avez pas l'habitude de tout ça. Ouais, exactement. Ça, pour vous, c'est dur à accepter. Ouais. En tout cas, monsieur Perbel, ça, j'ai bien reçu votre message. Ouais. Donc ça, vous inquiétez pas, ça, je vais en faire part tout à l'heure aux transmissions. Ça fait combien de temps que vous êtes malade, monsieur Perbel? C'est-à-dire? Depuis le 14 ans. Le 14 mars. Donc c'est récent. Donc il y a tout ça aussi. Tout ce cheminement qui a pas eu le temps de se faire. Bon. Allez, à tout à l'heure. Je reviens dans 5 minutes pour oublier ce qu'il y a. On vous a présenté la maison de quelle façon, l'établissement? Un bon endroit. Moi, j'avais pas très envie parce que tous les gens que j'ai vus entrer ici, c'était en soins palliatifs. Alors, ils me disaient que moi aussi, c'était ça. Ça allait peut-être d'ailleurs. Donc, ce que vous aviez envisagé, c'était en cas de... Comment j'ai rien envisagé? Je ne voulais pas venir en soins palliatifs. Si c'est bien ça, j'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous? La fin des haricots. Quand on vient en soins palliatifs, donc ça veut dire que la maladie, on ne va pas la guérir, hein. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui est autour de la maladie, c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir agir, c'est-à-dire les symptômes, votre confort, on va faire un maximum pour l'améliorer, pour le soulager. Et chez certains patients, enfin, on peut avoir une stabilisation de la maladie. Je veux dire, il peut y avoir aussi des patients qui... C'est pas parce qu'on vient en soins palliatifs qu'on n'en ressort jamais. Il y a des moments, il y a des rémissions, il y a des patients qui retournent chez eux et qui ont la possibilité de revenir. Hein? C'est pas une condamnation, les soins palliatifs. D'accord. Difficile, hein? Bien sûr, ce n'est pas une condamnation. Et pourtant, c'est quand même bien la fin des haricots. C'est toujours ça, dans le fond. D'ailleurs, on pourrait se le dire depuis la naissance. Depuis le premier cri. C'est toujours la fin des haricots.
Et ici plus qu'ailleurs, puisque c'est un lieu où l'on meurt. Mais tant qu'on vit, la partie reste à jouer. Jusqu'au bout. Et si possible, avec la manière. Est-ce que vous chantez encore? Vous en voulez encore? Pourquoi t'es-tu? T'es-tu pas mariée? Toi qui allais... Ah, Céline! Céline, pas Cécile! Passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes les sœurs qui vivent ici, tu es la seule sans mari. Ben vous la savez, hein? Ben je viens de retrouver un. Hein. Oh ben moi je l'aime pas beaucoup. Ah bon, ben alors je vais pas la chanter. Jean-Jacques Goldman, c'est toute mon enfance. J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. C'est vrai? Oui. Ah bah attendez, je vais vous enjamber. J'ai peur que vous n'entendiez pas parce que je la joue en arpège. Je suis là. Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève. La plainte douloureuse, le chien qui aboie. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Ces choses au fond de nous. Ce jour-là, Madame Delcourt a aussi demandé combien de personnes l'avaient précédée dans ce lit et combien l'y suivraient. Je ne m'étais jamais posé la question. Laissé par d'autres, passé par là avant. À l'attention de ceux qui passeront par là après. Comme un message qu'on laisse par-delà le temps. Comme si on avait réussi à vaincre et fixer les secondes qui s'égrènent et nous échappent. Décédé. Donc j'imagine 13h30. Enfin, t'arrives ou pas? Ok. À tout de suite. Bah non, il n'y a personne. Et puis je sais juste qu'il a une épouse qui est super angoissée que j'ai jamais vue. Alors j'ai pas trop envie d'appeler. Ok, merci. À tout de suite. Catherine, on est parti sans prévenir. Ben oui. Brigitte, on n'est pas dans le repas, Brigitte. Huit décès. Eh bien, il y a des... Donc c'est plus... Plus qu'un par jour, ça doit être au moins un quelque chose par jour. Mmh. Ah oui, là c'est dingue. Hein. Ouais. Ah, c'est cool, tu sais, quand t'as des gens qui ça fait longtemps qui sont là, qui
sont stationnaires et tout. Oui, il suffit qu'il y en a un. Enfin, ils se dégradent tous à peu près en même temps, tu vois. Et il y en a un qui se décide à partir. Ça motive les autres. Allez, hop, tarif réduit. Ouais, c'est enfin, déjà, ça va vite. C'est toi qui lui as annoncé. Je voulais l'amener ici pour que Brigitte lui dise, mais. Tu as été souvent confrontée à des situations comme ça? C'est la première? Ça va? C'est dur. Oui. Oh oui, vous rentrez à la maison demain? Bon, oui, parce que... Et comment, et par rapport à demain, comment vous le sentez? Vous avez l'air... Ça va, vous avez l'air contente. Mais je crois pas. Hein? Je peux pas vous quitter. Mais non, mais peut-être que ce sera ça. Car revoir mes frères. C'est... Et mes sœurs. Mais moi, je avant de partir ce soir, je viens de vous faire un bisou parce que je serai pas là demain. D'accord? Oui, mais d'abord je vous laisse manger. Non, tout à d'accord l'heure. Oui, tout à l'heure, je pars à Silva. D'un patient qui avait des enfants de à peu près mon âge. Et ça, ça a été difficile un petit peu pour moi parce que c'est, je crois, une des premières fois où je fais un peu un transfert. Et si c'était mon père, comme tout le monde peut le faire, mais bon, enfin, il ne faut pas vraiment se projeter, c'est mon père, machin, dans le monde. Quoi. Et en même temps, j'étais contente d'aller jusqu'au bout de cet accompagnement, de m'occuper de leur papa et de leur rendre. Un peu, enfin, je sais pas, de leur donner une dernière image sereine et tout ça, mais quand même, c'était ouf. Et j'ai rêvé de ce patient, mais très serein et tout, qui venait me dire au revoir. Je me suis dit, oh non, c'est bon, il vient me voir chez moi et tout. Je me suis réveillée, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. Le matin, donc je suis venue, il était décédé dans la nuit. Mais en même temps, je le sentais, quoi, parce que évidemment, il y avait plein de critères qui me disaient la veille au soir que j'allais certainement pas le revoir le lendemain matin. Et bon, c'était. Ce patient, en plus, il est parti, mais comme s'il dormait, et que d'un coup, il s'est arrêté juste de dormir, mais il n'a rien eu, il bougeait pas, il était tout en position comme ça, un peu fœtale et tout, il était juste bien. Et voilà. Donc je me suis posé la question, est-ce que tu commences à. Ce lieu où la vie côtoie la mort à tout moment. Repasser par ce chemin. Cesser de fuir. Appeler les choses par leur nom. Leur vrai nom. Grandir. Encore un peu avec eux que je retrouve qui me protège.
Je me souviens. Le jour de la mort de mon père, Marie-Claude est venue me trouver pour me livrer ses dernières paroles. Elle m'était destinée. En entendant ces mots, mes jambes se sont dérobées. Et puis il y a Rosa, dans les bras de laquelle mon père a souvent abandonné son corps. Françoise, Pauline, Aude et Brahim, qu'il aurait sans doute adoré connaître. Et Daniel, bien sûr, qu'il a suivi dans sa maladie et bien souvent soulagé. Marcher. C'est bon signe, hein? Si vous allez bien quand vous dites ça. Combien, combien de temps j'ai marché? Elle est marre de marcher cette fois-ci, puis là. Oh là, là. Et là maintenant, c'est maintenant que ça manque. Oh oui, dis donc. La musique, vous la mettez jamais? Ça vous dit rien? Si, si. De temps en temps? Non, de temps en temps, oui. À quoi elle pense, Alicia? Est-ce qu'elle déteste la terre entière de lui survivre? Est-ce qu'elle en veut à ceux qui l'ont blessée? Est-ce qu'elle pense à ceux qu'elle aime? À ceux qu'elle a aimés? Fragilité du cristal. À l'intérieur, elle est tellement évidente. Dehors, je ne la vois pas. Comme si elle n'existait pas. Pourtant, elle y est, c'est sûr. C'est dimanche, et le printemps depuis peu. Je suis venu voir Alicia. Daniel, le chef de service, m'a annoncé qu'Alicia était morte en fin de matinée. La fatigue m'a pris soudain. Thank you.
plus de traces, plus rien. Les œuvres d'Alicia ont disparu. Sa famille a tout emporté. Reste le souvenir. Tous les soirs, avant de m'endormir. Je me revois gosse, je me revois... Tous les moments que j'ai passés, tu vois, avec elle. Et ça défile de partout, ça arrive. Il y a des milliers d'images qui arrivent, tu vois. Et... C'est dur. C'est que c'est dur. Hein. Elle, à vrai dire, de son côté, elle, c'est tout clair. C'était de mon côté à moi que c'était pas clair. Parce que maman, elle accepte tout. Maman, j'ai pas dit qu'elle est, elle est archi-sereine, bien entendu, t'as toujours... un petit peu peur, c'est un passage quand même. Hein. C'est un passage. C'est moi qui, par rapport à moi-même, qui n'étais pas serein, qui n'acceptais pas. Maman, maman, et je tire la corde. Tu vois, même là, par exemple, j'accepte. Alors, je vais plus te dire que je tire la corde à deux mains maintenant. Avec les deux doigts. Mais je tire encore un petit peu la corde. Donc, j'accepte, mais tu vois, j'ai. Allez, on va dire, le petit doigt, on va dire. Mais je tire un petit peu la corde, quoi. Tu vois, comme elle m'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas vous dire demain, on vit à l'instant maintenant. On vit dans l'instant. Ok, oui. Je vais voir maman. Je t'en prie. Je vais dire ça tout de suite. 16h36. Bon, ça va. T'as de la chance. Je suis comme Nino. Moi aussi, j'en ai plein la tête des images qui me reviennent. Ici, je suis accompagné, et j'accompagne à ma manière. Je me fais confident de ceux qui restent, de ceux qui vont mourir. La cloche en cas de sinistre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'étais du début jusqu'au bout. Et j'ai pas lâché une journée. Ça, c'est un truc que je crois... je pensais de ne pas y arriver, tu vois. Je dis, jamais je le ferai. J'y arriverai pas. Bah, tu vois, on y est arrivé. Pourtant, je pensais que j'étais pas costaud. Alors, le non-costaud devient costaud, le costaud devient non-costaud. T'as vu un peu comment tout est... L'être humain, il est bizarrement fait, quand même, hein. Des fois, tu as des trucs à l'intérieur que tu penses que tu peux pas faire et que tu fais. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est le côté positif qui me fait accepter également que maman peut partir, que j'ai rien à me reprocher et toute ma vie jusqu'à, jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais rien à traîner, j'aurais pas de boule à traîner, tu comprends? Une culpabilité d'un gros seau énorme rempli de pierres, de cailloux en disant j'étais pas là. Putain, lâche, j'ai fui. Bah là, non. Je peux le lâcher, ça. Parce que j'aurais rien à traîner. Pas de sou, pas de cailloux, même pas un gravier. Parce que j'aurais été là du début jusqu'à la fin. Alors, sieur. Ça repousse quand même. Tu peux. Ben, faut demander à ce qu'on vous l'arrose tous les matins. Je suis pas compris à ce point. Il y en a là qui repoussent quand même. Hein. Mes yeux bleus me suffisent.
Ah, ça faut t'avouer que ça, c'est irremplaçable. Ça va avec la couleur du pyjama. Vous voulez pas essayer à l'art thérapie de faire un... de faire une peinture? Moi, ça me plairait bien que vous me fassiez un tableau. La couleur que vous aimez. Vous voulez pas essayer? Oh non. Non, non, oui, oui. Oui, oui, si vous voulez. Ah, si je veux, moi, alors c'est bien. Moi, je ne peux pas rien. Moi, j'en fais rien, mais après, la déception. Ça vous occupera un peu, plutôt que d'être toujours dans votre fauteuil tout seul. Je suis pas dans votre fauteuil tout seul, il y a toujours du monde. Bon, ben, à plus tard. Madame, soignez-vous bien. J'ai besoin de quelque chose. Oui, l'inspiration. Bonjour madame, je suis une infirmière de la maison médicale Jeanne Garnier. Je vous appelle au sujet de madame Delcourt. Oui, c'était pour vous prévenir qu'elle vient de décéder. Oui, ces derniers jours, son état s'était aggravé. Oui, oui, elle va rester un petit peu dans la chambre. Oui, oui. Oui, très bien. D'accord. Téléphone, je vois. Paris, le 22 mars. Ah, vous êtes là, ma chère amie. Alors, vous êtes reconnu? Mais je ne l'ai pas vu. Mais pas voir toi. Il est où? Là-bas. Là-bas? À l'art thérapie? Oui. C'est moi que vous avez dessiné? Oh, un petit nom, c'est une... Oh, je vais aller voir, hein. Mais de la chance, je ne vais pas faire à pied. Ça, c'est la cloche avec laquelle vous m'appelez. Oui, on a appris beaucoup de choses. Oui, oui, oui. On est rentré dans votre intimité. À ma botte. À ma botte. Alors là, c'est le fauteuil. Oui. Qu'est-ce que vous voyez encore? Je vois que je fais pssst. Je vous tends un mouchoir. Il y a plein de artères. C'est presque dommage que ce soit si petit, parce qu'il est bien. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. C'est vrai, d'ailleurs. Hein? C'est vrai, ça. Ouais. Il y a une sacrée mémoire, quand même. Hein? Bon, allez. C'est tout ce qui me reste. Maintenant, on va bosser. Un autre genre de travail. Merci.
La mère de Nino est partie sur la pointe des pieds. Comme ça. Comme par enchantement. C'est les vacances. Sans doute, Nino adorerait croire que sa mère est partie quelque part au soleil d'Italie. Et que lui, il est resté là. Comme moi. Sur le quai. Sauf que nous, on reste sur le quai pendant des lustres. Et on ne voit jamais revenir personne. C'est ça. Sur le quai. À faire les 100 pas. Bonne opinion, enfin en tout cas un avis bien arrêté sur l'énergie nucléaire et toutes ces choses. Qu'est-ce que vous diriez, qu'il faut continuer dans le nucléaire? On n'a pas le choix. Ouais, c'est vrai, on n'a pas le choix. Et oui, on n'a pas le choix. Pourquoi la mort est tellement repoussée finalement? C'est qu'on est seul face à la mort. Ici, on n'est pas seul face à la mort. Ici, il y a des personnes qui viennent. Alors, on n'a aucun projet sur personne, mais on est là. Et rien que le fait d'être là, ça interpelle l'autre. Et ça te dit, mais toi aussi, t'es là, et t'es un gars, et t'es vivant, et t'es encore humain, malgré ta maladie, malgré tes infirmités ou tes mauvais fonctionnements. Et rien que ça, ça fait un petit déclic qui nous dépasse, nous, souvent, soignants. On voit des chemins, des parcours de vie... Et ça permet d'aller plus profond en soi, vraiment d'atteindre une part de nous-mêmes qu'on étouffe trop souvent dans le quotidien, pour X raisons, et qui petit à petit, au quotidien, peut ressortir, et ça permet de dire des choses qu'on n'a jamais dites même à sa femme, ou retrouver des enfants qu'on n'a pas vus depuis des années. Je pense que ça fait partie de la vie, et c'est un moment de la vie qu'il faut vraiment préserver et privilégier. C'est quelque chose de très précieux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, tu vois. Il ne faut vraiment pas la subir, notre mort, mais au contraire, l'accueillir. Elle arrive, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle plus en société. Vraiment le remettre au cœur de... Pas au cœur de notre vie, mais que c'est là, ça fait partie de nous. Et le regarder en face, quoi. En quelque sorte, remettre la mort à la mode. Mais moi, si je m'effritais pour devenir peu à peu un être de cristal allongé dans un de ces lits, est-ce que
que je ne me tordrai pas de peur? Est-ce que je ne voudrais pas que tout s'arrête? Est-ce que je ne demanderai pas que tout s'arrête? Vite. En chambre 220, il y a un homme. Un homme que je n'ai pas pu rencontrer. C'est Monsieur Cousin. Lui, il aimerait bien qu'on l'aide à en finir. Qu'on arrête les traitements qui le maintiennent en vie. Une vie dont il n'a plus envie. Ce patient-là, il n'est pas en fin de vie. Il n'est pas en fin de vie, il est dans la vie. Sauf qu'il n'est pas vraiment dans la vie parce qu'il veut mourir. Enfin, c'est pas qu'il veut mourir. C'est qu'il ne veut pas de la vie qu'il a actuellement. Il a une pathologie qui fait qu'il est complètement handicapé. La seule chose qui lui reste, en fait, il lui reste plein de choses, mais... physiquement, il est complètement dépendant. Il ne peut que bouger la tête et les paupières. On appelle ça un locked-in syndrome. Par contre, il a toute sa tête, toutes ses fonctions intellectuelles. Il est d'ailleurs, c'est quelqu'un de très intelligent. Et en fait, même si on savait au départ qu'il venait dans un désir de, qu'on arrête des traitements. C'est quelqu'un qui est diabétique, donc si on arrête son traitement pour le diabète, effectivement, il peut mourir. Donc il est arrivé avec ce désir-là, qu'on arrête les traitements, parce qu'il ne voulait plus de cette vie-là. Mais en fait, on s'est retrouvés à s'occuper de lui, à essayer de comprendre comment le prendre en charge et tout ça, parce que la communication est quand même pas évidente et tout. Et puis finalement, à se retrouver dans des situations un peu cocasses, à rigoler ensemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc je n'étais pas dans une relation, dès le départ, je n'ai pas été dans une relation d'empathie, mais plus de sympathie, avec un partage. En tant que soignante, je suis là pour faire ça parce que ça le maintient en vie. Cette injection-là que je lui fais le maintient en vie et je vais l'arrêter. Pour le regarder partir, quoi. Monsieur Cousin, il s'est mis à pleurer, il a écrit sur l'ordinateur qu'il adorait dormir et qu'il voudrait qu'on le laisse tout le temps dormir parce que c'est le seul moment où il peut marcher, il peut bouger, il peut vivre, comme tout le monde. Et puis, il n'était pas bien. Tu m'étonnes s'il a rêvé qu'il marchait. Oui. C'est vrai que réveiller quelqu'un qui vous dit « Quand je rêve, c'est là que je suis vivant comme vous. » La compagnie, hein, mais je pense qu'il faut qu'on s'en impose pour que lui puisse avoir des repères. Et puis en plus, pour nous, nous faciliter la tâche. Quoi, parce que... Il peut arriver à nous faire comprendre et vouloir nous dire, vous êtes, pour moi, vous n'êtes pas capable de m'apporter tout ce que je voudrais. Et en fait, tout ce que je voudrais, c'est marcher et courir tout seul. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Daniel, quand tu dis que ce patient veut courir et marcher. Donc, bien sûr, il voudrait courir et marcher, mais au bout de 10 ans, je crois qu'il veut surtout mourir. Mm-hmm. Ouais, il a bien dit à Nora, je rentre à l'hôpital mardi et j'espère ne pas en ressortir. Je pense qu'on est dans autre chose. Il y a 10 ans, c'était sûrement ça, je veux courir et marcher. Aujourd'hui, je crois qu'il est peut-être dans une autre demande. Est-ce qu'il n'est pas en train, tu vois, de déplacer toute sa difficulté, tout ce qu'il est en train de vivre, sur l'ensemble de l'équipe? On est en train de nous devenir Monsieur Cousin. C'est-à-dire dans l'inconfort, dans un inconfort majeur qui nous est imposé par quelque chose. Lui, c'est imposé par son handicap,
Et nous, c'est imposé par lui. Bien sûr que si tu peux claquer des doigts et puis lui rendre ses jambes, évidemment. Juste, le danger, c'est que lui nous mette en péril en tant qu'équipe. Voilà, c'était ça, moi, le réorganisme. Et ça, je suis d'accord. Ça, hein, là-dessus, je suis d'accord sur le tout ça. Moi, ce matin, j'ai peut-être été souple, c'est vrai, mais en même temps, je suis confronté à quelqu'un qui me... qui me perturbe, donc... Mais je crois qu'on est tous perturbés, donc je pense que le fait d'avoir des règles au sein même de l'équipe, d'être plus à même de répondre efficacement et puis en étant protégé avec le collègue, quoi. C'est pas facile du tout. Nous, on a plutôt l'habitude d'apporter des soins qui vont entretenir la vie, qui vont soulager. Donc arrêter quelque chose, ce traitement, enfin arrêter quelque chose, arrêter un traitement en sachant que ce traitement est indispensable à la vie de cet homme, bah, ça pose vraiment question, oui. Et il est normal que des réflexions émergent, que des difficultés émergent et que ça bouscule les uns et les autres au sein de l'équipe. Sébastien réagit. Je prends tellement la tête dans cette histoire. Mais on en parle tellement. À plier le linge à l'armée? Non. Pardon? J'ai donné mon linge à l'armée. Ah bon, vous avez des vols là-bas? Faut plier. Il est 1h. Bravo! Bravo! Einstein. Non. Avant, j'ai travaillé sur Poséidon. Positron, c'est ça, non? Je sais pas ce que c'est. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Protons, les neutrons, les... Ah oui. Quand? Positron. Rencontre un électron. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien? On explose? Eh, vous êtes dangereux, vous. Je vais vous souhaiter un bon retour et puis de bien continuer pour que si on vous revoit une fois comme ça en répit, on vous trouve amélioré et non pas abîmé.
Ben, je vous y prends. Il allait se lever tout seul. Je vais me laver les mains et j'arrive. Je reviens. À chaque fois ici, 5 minutes, une heure. 5 minutes, une demi-heure minimum. Voilà, c'est le maximum, 5 heures. Je vais me hisser jusqu'à la porte, et je me traîne derrière le couloir. Il y a encore des choses dans la tête quand vous êtes seul. De tout, la famille, le destin, la mort, la vie. Vous pensez jamais, vous, quand vous êtes tout seul? Juste un rêve. Hein. Ah bon, faut pas que. Puis-je? Vous pouvez entrer, chère maîtresse. Bonjour, monsieur Villain, ça va? Voilà la question traditionnelle. Hein. Pourquoi tenir malgré la maladie qui gagne du terrain et la mort qui rôde? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche encore quand tout espoir semble avoir disparu? C'est de lâcher un petit peu. Soulage. Laisse-moi le bras complètement. Hein? Vous tiens plus. Redressez-vous. C'est vrai en plus. Mets ton casque de moto là. Attends. Se rencontreront. Combien de poitrines exploseront de douleur ou de joie? Et après, est-ce que tout se fige? Sont terminées. C'est la rentrée. Paris s'est repeuplé. Mais pour moi, le voyage continue. Et si après tout ce temps, j'étais revenu ici pour de mauvaises raisons, pour me mettre à l'abri. Le monde. Donc, 204, on a Stéphane Mercier qui vient d'arriver, donc un jeune monsieur de 33 ans qui a une SLA qui galope hein, depuis 3 ans. Il essaye de dire des mots, mais même sa maman qui est encore là, je vais partir, a beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre, donc encore moins. Il y a un alphabet, mais on n'a pas encore eu le temps de mettre ça en route. Il est rentré aujourd'hui, ce monsieur. Il est rentré aujourd'hui, c'est à midi, oui. Il a, par sa maman, il a de la femme, pas de femme, pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant. Il a demandé euthanasie et il est en liste d'attente pour la Suisse et la Belgique. Enfin bon, là, où ça se fait. Et la maman est au courant et bon, enfin là, voilà. Tout est clair pour tout le monde. Oui. C'est votre photo là-haut en train de faire des acrobaties sur une moto? Nom de Zeus. Attendez, je vais voir. Parce que moi je suis motard, mais je me vois pas faire des calipettes comme ça. Oh la vache. Puis vous êtes debout là-dessus.
Ça me rappelle Monsieur Cousin. C'est terrible. Moi, je me vois pas faire une injection. Parce qu'on fait un choix de soigner les gens, de... Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir ce pouvoir-là, quoi, de donner la mort. Tu décides à un moment donné de... C'est pas forcément toi qui décides. Si c'est le patient qui te le demande. Oui, c'est vrai. Mais je vais avoir tendance à penser est-ce qu'ils sont pas, tu vois, est-ce que c'est pas aussi une phase de dépression et tout ça. Je peux pas savoir. Parce que ça peut pas être traité aussi autrement, voire avec. Et puis de toute façon, tout seul confronté à ça, tu peux pas le gérer, quoi. Mais il y a des patients, tu vois, aussi, ici, qui me disent. Je veux en finir, j'en ai marre, c'est trop long. Ça arrive, puis il y a d'autres moyens. Tu comprends qu'ils te disent ça? Ouais, mais bien sûr, on leur dit, mais vous avez le droit, vous voulez qu'on voit, on va en discuter, alors tout le monde en discute, machin. On prend en considération la demande, tu vois, ça arrive. Mmh. Ça se voit pas beaucoup. Enfin, moi, je suis pas là depuis longtemps, mais... Les peu de fois où je l'ai vu, eh ben, on répond à cette demande en proposant une sédation. Et les gens, ils acceptent. Ils sont contents, on leur propose quand même une solution. Ils dorment. On est bien d'accord, on ne communique pas sur un mode SMS. Hein. Pas de piège. Ok. Ici. Ouais. R. Donc c'est arrivé du jour, c'est ça? Du jour au lendemain. Et... Fin de ma vie. Vous avez tout de suite compris ça? Ah, ils veulent pas me tuer? U. La Suisse? C'est ça? Vous êtes inscrit dans une association en Suisse? La Suisse, donc. Son chocolat. Ces banques, je n'y vais, c'est ça? Pas pour ça? Comment votre entourage, amis ou famille un peu plus éloignée, a réagi à votre maladie? Au début, ouais. Solidaire? C'est ça, solidaire, très, très vite. Ici. P. Plus personne. Ah, pardon. Plus beaucoup. Beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que la maladie, ça les gêne. Ouais. Ils en ont peur. Je suis, c'est ça?
Je suis le même, c'est ça? Je suis le même qu'avant? De vous envoyer où? Elle est en chôle. Ça serait pas mal, ça. Ouais. Combien de jours? Un seul? Deux jours. Deux jours. L'aller, on se pose une journée à La Rochelle et on revient. Oui. Et alors? C'est pas encore fait. Non, c'est pas l'histoire. Projet. C'est pas l'histoire que c'est encore fait. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Oh, bien sûr. Oui. Un voyage, même infime, un saut de puce. Et si demain, même pour Claude, cette aventure était encore possible? Hein? Il a commencé. Il a commencé? Mais mettez-vous bien droit là, vous êtes arraché. Poussez sur vos genoux. Parfois. Voilà, chef. Hier soir, j'écoutais Radio Notre-Dame, voilà. Notre Père qui est aux cieux. Il répète 12 fois la même chose. Ils sont bouchés, ces clients. Quoi. Une bonne douzaine de fois, il a changé de disque, j'apprends autre chose. Ah non. Votre Fils est béni, et allez, on recommence. Notre Père qui est aux cieux. Oh, quelque chose. Dans le silence. Je vais vous mettre de la musique. Je ne veux pas de musique. Mais vous, la télévision, je vais la musique. Non! Mais je vous ai porté un petit café. C'est gentil. Gentil, mais il y a des moments, c'est trop. C'est trop poussé. Surtout quand c'est dit sur le ton que c'est dit, ils ont reçu une leçon avant. S'ils vont lui dire, soyez aimables avec les patients, soyez prévenants. Aussitôt, moi, je parle dans le registre inverse. C'est pas ma faute, c'est comme ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Comme la mer au Saint-Michel. Trois ans. Il me dit, me flinguer. J'ai dit, ça, c'est pas de notre protocole ici. Protocole. J'ai dit, elle était pliée, elle a rigolé. Ouais. J'ai dit, ça, pour l'instant, on n'a pas ça encore dans le protocole. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant. Non, mais c'est vrai qu'il s'ennuie. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Non, mais il est dans une phase négative. Il a eu des phases un peu plus positives, mais là, en ce moment, c'est pas mal. Franchement, négatif. Mais c'est vrai qu'il baisse. Clairement, je pense qu'on est vers le moins bien. Il est moins bien, c'est vrai, mais qu'il soit 5 heures dans son lit ou 5 heures dans l'ambulance, comme il dit lui-même, j'aurai rien à faire, je serai couché et je connais le trajet, et je connais la route. Donc je crois qu'en termes strictement médical, il n'y a pas un risque considérable pour le trajet lui-même. Le risque, moi,
tel que je le perçois un petit peu, c'est qu'arriver à La Rochelle, ce soit effectivement la fin du voyage. Ouais. En tout cas, voilà, ça fait partie du voyage. Il avait en projet de faire des voyages. Ou bien, il ne part pas, et il meurt avec le même délai. Mais Chine, ce que je lui ai dit, c'est que je pense qu'entre les deux, il y a toute la quantité de plaisir qu'on a vu dans ses yeux, et de pétillement à chaque fois qu'on a évoqué La Rochelle, sa sœur, etc. Voilà. Alors, je fais le noir complet, comme d'habitude. Il paraît que vous allez nous faire une escapade. Ah bah ça, on sait tous. Hein. Moi, je suis content parce que j'étais à La Rochelle il n'y a pas longtemps. Vous m'en avez tellement parlé en bien que... Vous savez que j'ai pensé à vous quand j'étais là-bas. C'est gentil. Je ne veux pas aller à La Rochelle avec un instrument qui ne marche pas. Vous dormez bien ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, à demain matin. Votre sonnette est là et on est là aussi vite que la lumière. Et moi, je suis là aussi. Si vous avez besoin de moi, enfin. Ça peut arriver, hein. Ouais. Qui sait ? Il n'y a pas de raison. Bon, alors, 22h25. Dormez bien, monsieur Villain. Bonne nuit, mes anges. Oh ! Mes anges du sommeil. C'est bon cette fois-ci? Oui. Bon. Bonjour. Je vous pique votre fauteuil. C'est que j'avais dit à votre fils qu'il avait, à mon avis, un certain travail à faire pour essayer de voir un petit peu quelles étaient, comment organiser les choses, comment organiser, comment réfléchir à ce qui pouvait lui permettre de vivre moins mal la vie qu'il menait à l'heure actuelle. P. P. Q, R, S, T. J'en ai plein des doutes. Hein, c'est ça. Tu as des doutes sur la réussite. Je suis pas là pour dire, voilà, il faut qu'il pense comme moi. Et tout ça. Moi vraiment, c'est pas ça. Hein. C'est voilà, ouvrir des pistes, vous donner des idées peut-être, j'en sais rien. Hein, après. Est-ce que les choses vont vous permettre d'avancer? Est-ce que ça va vous permettre tout d'un coup d'avoir un éclairage différent sur la façon dont vous pouvez vivre ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que... Ben, moi, j'ai des doutes aussi. Hein, je ne peux pas vous affirmer que j'ai une solution là à vous proposer. Là, je suis sacrément exigeant. Hein. Le U. Oui, je suis exigeant. C'est ça. C'est ça. Je ne crois pas vouloir être exigeant avec vous. Hein, je ne crois pas. J'essaie de vous dire que probablement vous avez des choses à inventer là. Hein, vous avez à exprimer éventuellement des choses. Alors il y a probablement des choses que vous aimeriez faire que vous ne pouvez pas faire, dû à votre handicap. On est d'accord. Il y a probablement des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire aujourd'hui, alors qu'en fait, vous pouvez les faire. J'ai des... Non. Si, c'est un S. O. J'ai des projets. T'as des projets? Ah oui, il faut qu'on aille voir un match. Hein. Je prends le relais. V, W, X, X, W. Ah, tu veux aller à Hawaï? C'est ça, Hawaï. Hein, c'est ça, pour le surf.
auprès de votre sœur. Ouais. Elle discutait avec vous? Non, elle ne parlait pas? Elle est trop fatiguée? Ah oui, il paraît qu'elle avait même été chez le coiffeur la veille pour être belle. Elle était drôlement touchée que vous y alliez. Puis maintenant, vous êtes malheureux, vous. Quoi faire ? Quoi Je vous appelle parce qu'on a monsieur Villain qui est décédé. Non. Non. Il y a monsieur Villain qui est parti. Oh merde. C'est pas vrai. Ouais. Oh. Non. Oui, la maison médicale, je viens de dire, une infirmière. Je vous prie, si vous pouvez, de nous rappeler rapidement à la maison médicale, je viens de dire, au 01 43 92. 21-00, merci. 21-25. Oui, j'ai laissé deux messages. Mais si elle est au Yucatan, il va falloir quand même prévenir d'autres personnes. Non. Parce qu'il y a sa sœur et son frère. Bonjour, monsieur Molinet. Bonjour. Là, là, oui, là, 45, 13 ans. En fait, c'est Frédéric. C'est Frédéric qui passe devant la chambre. Je crois qu'il reçoit rien. Ouais. Les yeux bleus délavés de Claude se sont fermés. Je ne verrai plus jamais sa tête à la Chauron. Et je n'entendrai plus jamais sa voix, qui grignotait une syllabe sur trois. Qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Un an bientôt que je hante ce lieu de ma présence, de mes questions.
un an que j'observe des existences se clore comme autant de chapitres d'un livre impossible. On dit qu'il faut parfois accepter de se perdre pour mieux se retrouver. C'est comme si j'avais perdu de vue la vraie raison de ma présence ici et que je m'en étais trouvé une autre, une de remplacement, un refuge. C'est peut-être ça le truc. En me perdant ici, avec Stéphane, j'ai retrouvé un peu de mon père. Cette même maladie, la même force du regard. Je me sens de nouveau utile. J'ai l'impression que lorsque vous êtes arrivé ici, vous n'aviez pas envie de faire deux choses, quoi. Vous n'aviez pas d'envie. Je me trompe? J'ai raison? Ah? Avait? Avant, j'en avais qu'un. Qu'une. Avant, j'en avais qu'une, c'est ça? La mort? Mais maintenant, il y en a plusieurs. Donc, il n'y a pas que la mort. Mais? Il y a toujours un mais. Et si évolution, retour de l'idée. De mourir. Mais si évolution, retour de l'idée de mourir. Combien? Combien de quoi? De temps? Ça va. Des durées. Combien de temps? Combien de baisers? Combien d'étreintes? Combien d'engueulades? De cris de joie ou de colère? Combien de temps? Combien de temps? C'est peut-être la rencontre que j'attendais. Une passerelle. Quelqu'un qui serait mon père et moi en même temps, le tout réuni dans un même corps. Par Stéphane, j'ai revu un peu de mon père, de ce qu'il m'a légué. Donc sans doute un peu de moi-même. Stéphane et moi, en fait, on s'est aidés l'un l'autre, je crois. Précieux, partagés, même infimes, ont contribué à me la révéler. Grâce à eux, j'ai compris ce qu'il m'a appris. Cette fragilité et la force que ça nous donne. C'est une trace de notre humanité. Un jour, tout s'arrêtera, évidemment. Mais en attendant, je veux vivre
et partir pour d'autres voyages. Alors est venu qui a pris la mienne.